In the globular, in higher category theory, there are several points of view. Basically, there are the simplicial point of view, which is the most well-known around the world. There is also others, like the globular or the opetopic and others. Thank you. I'm going to speak about some progress in higher category theory from the globular point of view, and especially what should be an infinity topos in this globular sense. Okay, so je commence en français. Sorry, I start in French. So, donc je vais parler des catégories, des infinies catégories avec une géométrie globulaire. Il y a deux géométries. Il y en a une qui m'était en tête et que je viens d'oublier, qui est complètement analogue à la globulaire. C'est celle qui est. Dès que je me rappelle, je vous le dirai. Cubique, exactement, très bien, merci. Donc, la globulaire et la cubique, en réalité, si on a compris la globulaire, la cubique, c'est la répétition. Donc, c'est plus une philosophie, il y a des résultats difficiles qu'il a fallu trouver. Moi, dans ma thèse de doctorat, ce que je vais expliquer rapidement, c'est que j'ai réussi à poursuivre le travail de Michael Batanin. Lui, il a défini donc l'opéra des infinies catégories faibles, et moi j'ai fait le reste, c'est-à-dire les opéras des infinies functeurs faibles, transformations faibles, etc. Tout type de n transformations faibles. André Joyal, ici présent, m'avait aidé à Montréal à corriger un problème de contractibilité qui a été fait récemment. Voilà. Et il y a aussi une grande conjecture qui est celle de qui est probablement la plus grande conjecture en théorie des catégories globulaires, c'est est-ce que l'infinie catégorie globulaire, les infinies catégories globulaires existent ? Et c'est ce problème-là est un problème qui a intéressé des gens comme Thomas Sand dans ses brouillons, et puis probablement Alexandre Vandenbeck. Ensuite, dans la conclusion de ma thèse, j'explique comment construire donc des opérates pour ce qu'on appelle les infinies adjonctions faibles. Les infinis, les paires d'infinies adjonctions, sont gérées par des opérables. C'est un travail non publié, mais c'est dans la conclusion de ma thèse où je donne les grandes idées, comment les construire. À partir de cette idée d'adjonction, on a tout de suite l'idée du fameux. Il y a tout de suite les limites et les prélimites qui interviennent avec le foncteur delta. On refait tout ça en dimension supérieure. Donc on va avoir apparaître dans ce talk une notion d'infini limite faible, infini colimite faible, et puis à ce moment-là, on va essayer de dire voilà quels sont de quel type de théorème. Enfin, on va s'inspirer d'un théorème classique sur les topos de Grothendieck, une caractérisation, pour redire à quoi doivent ressembler les infinis topos de Grothendieck et les infinis n topos de Grothendieck. Voilà. Alors je vais parler au départ de quelques structures supérieures. Ensuite, je vais parler de l'infini catégorie faible, des infinies catégories faibles. Donc, même si ce problème n'est pas encore tombé, il y a eu des progrès faits là-dessus. Et puis ensuite, je vais parler des infinis n topos et des infinis topos. Donc, alors pour les structures supérieures, je donne vite fait des rappels pour les gens qui ne connaissent pas donc, le monde globulaire. Donc, alors, on considère la catégorie globe qui est sujette à des relations. Donc, c'est une petite catégorie. Et on prend la catégorie opposée et on prend les préfaisseaux dessus pour obtenir ce qu'on appelle les ensembles globulaires. Je ne vais pas vous l'apprendre. Alors, on considère ensuite une autre
petite catégorie qui est aussi amusante. Donc, on reprend la catégorie globulaire G0, et puis on ajoute des flèches formelles qui vont dans ce sens-là, et qui vont, lorsqu'on va passer à la catégorie opposée, donc on va faire GR,0, hop, et on prend les préfaisceaux dessus, on va tomber sur les ensembles globulaires réflexifs. Donc, ensuite, je vais parler des infinis N ensembles globulaires. Alors, ceux-là sont moins connus. Donc, c'est un travail qui a été publié en 2015 dans le journal TAC. C'est un peu la structure qui est dans les infinis, les infinis groupoïdes, les infinis 1 catégorie, les infinis 2 catégories et tout ça. Dans le monde globulaire, c'est un peu la structure qui est un peu cachée derrière. Donc, un infini un ensemble globulaire, c'est donné par un couple. Alors, X est un ensemble globulaire, JMP sont des applications, et qui vérifient des relations. Donc, qui vérifient ces deux diagrammes. En réalité, si vous regardez bien ces deux diagrammes, eh bien, les deux parties en haut sont les mêmes. C'est en bas qui fait la différence, et qui fait que, on obtient ces fameux infinis N ensembles globulaires. Alors ces diagrammes-là vont en fait dans un infini graphe, un infini ensemble globulaire, elles vont inverser toutes les cellules en toutes dimensions et pour tout type de profondeur. C'est un peu ça l'idée. Donc on dit qu'un ensemble, un ensemble infini N globulaire est un ensemble globulaire équipé d'une infini N structure. Il y a plusieurs. Dans mon article, je vous invite à lire cet article, pour ceux qui le souhaitent, qui s'intéressent aux infinis N catégories. Ce qui est intéressant, c'est que même pour les infinis groupoïdes, par exemple faibles, il y a en réalité différents types d'infinis zéro structure possibles. Et donc, ça, c'est quelque chose d'assez curieux. On définit les morphismes d'infini N ensemble globulaire, donc c'est défini comme un morphisme d'ensemble globulaire, et qui fait cohabiter bien sûr ce que j'appelle les réverseurs, c'est-à-dire ces applications JMP, qui entre parenthèses peuvent servir à définir les catégories opposées, mais les infinies catégories opposées. On fait opposer tous les types de cellules à tous les niveaux. C'est juste une petite parenthèse. cette catégorie-là, on va la noter comme ça. Alors ensuite, je parle des infinis magma, donc je suis encore dans les structures supérieures. Je complexifie ces structures supérieures. Au départ, je parle de structures supérieures très simples, les ensembles globulaires. Je l'enrichis, je mets de la réflexivité, je mets une structure supplémentaire. Ça devient un peu plus compliqué. Ensuite, je parle des infinis N ensembles globulaires. Maintenant, je parle des infinis magma, où là, on commence à rajouter des opérations qui sont classiquement plus connues. C'est des lois de composition qui vérifient des axiomes de position, mais c'est tout. Donc voilà, les axiomes de position sont les suivants. Alors ça veut dire... Ça veut dire que la composition... Quand on compose des cellules, le codomaine est composé et bien classé. Exactement. D'accord. Tout ça, c'est d'accord. On imagine assez facilement ce que ça doit être. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je fais un dessin. Non, parce que ça dure que 20 minutes. On peut consulter. Alors, les morphismes d'infini magma sont des morphismes d'ensemble globulaire qui, bien sûr, qui préservent. Donc ces opérations. On a écrit infini mag pour la catégorie des infinis magma. Maintenant, c'est quoi une infinie catégorie stricte? Une infinie catégorie stricte, c'est un infini magma réflexif qui satisfait en plus les actions d'associativité et des actions d'échange, plus d'autres petits actions qui font intervenir la réflexivité et puis les opérations. Voilà. C'est une manière un peu. J'aime bien ça, définir les infinies catégories strictes comme ça.
Alors les morphismes d'infinie catégorie stricte préservent toutes les structures qui sont qu'elles contient. Alors, classiquement, on note infinie 4, la catégorie des... J'ai oublié d'écrire les petites infinies catégories strictes. Alors, donc, oui, une petite remarque, les morphismes de cette catégorie sont des infinies functeurs strictes. C'est une petite remarque qui est pas anodine, puisque je vais parler d'infinies functeurs après. Alors, les infinies catégories faibles, je ne vais pas faire dans mon talk c'est quoi une infinie catégorie faible, parce que je n'aurai pas le temps, mais en gros, c'est une version relâchée et, des infinies catégories strictes, c'est-à-dire que les axiomes ne sont plus vrais, d'associativité ne sont plus vrais, mais ils sont vrais à cohérence près. Cette cohérence, c'est-à-dire que, par exemple, l'associativité, eh bien, il n'y a pas ça égale ça, c'est ça est faiblement égal à ça. Il y a une sorte d'équivalence faible, ou on peut dire une infinie équivalence entre ces deux quantités. Idem pour les axiomes d'échange, etc. Alors, donc voilà, ça c'est une remarque que j'aime bien faire, c'est que, en fait, les infinies catégories faibles, on peut les voir aussi comme des infinies magma, dont, comme les infinies magma, finalement il n'y a pas d'axiome, eh bien, c'est, ce manquement d'axiome, on va le remplir par de la pâte, des infinies équivalences faibles, et puis... et c'est rempli de façon cohérente, et c'est contrôlé, ce remplissage est contrôlé par la structure stricte, les infinies catégories strictes. Alors, donc, il y a une opérade globulaire, que j'appelle B0, sur globe, donc la catégorie des ensembles globulaires, dont les algèbres sont les modèles dont j'utilise ici pour les infinies catégories faibles. Alors, je note cette catégorie comme cela. Alors, je donne des exemples de structures supérieures, d'autres intéressantes. Alors, on peut, bien sûr, avec les infinis magma, faire plein de variations. On peut parler des infinis n magma. On peut parler des infinis n catégories strictes. Donc, par exemple, les infinis 0 catégories strictes sont les infinis groupoïdes stricts, qui ont leur importance, hein, tout ça, en homotopie abstraite. Donc, il existe des modèles algébriques d'infinis n catégories. On dit infinis n catégories, mais moi je rajoute faible pour faire la distinction avec le strict, appelé infinis n catégories. Qu'on note comme ça. Alors, elles sont algébriques dans le sens que elles sont des algèbres pour une monade. Donc, c'est un travail, comme je vous ai dit il y a quelques instants, qui a été publié dans le journal TAC en 2015. Alors, par exemple, nos modèles d'infinis groupoïdes sont définis comme nos modèles, par définition, sont nos infinis zéro catégories. Alors, maintenant, je passe à la deuxième étape. L'infini catégorie faible des infinies catégories faibles. Alors avant de parler de ça, il faut parler des infinis functeurs faibles. Alors, j'ai construit dans ma thèse, en fait en 2008, puis ça a été annoncé en 2008, puis publié en 2011, puis publié dans ma thèse, mais corrigé ensuite, les B1, B2, BN-1, etc. Quels sont ces objets ? Alors, le B0, c'est l'opérade de Batanine, dont les algèbres sont les infinies catégories faibles de Batanine. B1 sont des opérades sur globe, le produit cartésien de globe avec lui-même, dont les algèbres sont les infinis functeurs faibles. B2, c'est l'opérade sur globe au carré, dont les algèbres sont les infinies transformations naturelles faibles, etc. Pour tout n. Disons que je n'ai pas du tout changé la combinatoire que j'avais déjà trouvée en 2008. Le problème, c'était un problème de cohérence que moi et André avions essayé de résoudre à Montréal, et puis on a eu du mal.
finalement, j'ai résolu le problème il y a quelques mois. Et puis, donc, on peut construire donc, un objet coglobulaire comme cela, dans la catégorie des opérades supérieures, des opérades globulaires, telles que donc, B0, c'est l'opérade de Batanine, B1, c'est l'opérade des infinis foncteurs faibles, B2, c'est l'opérade donc, des infinis transformations naturelles faibles, BN, c'est l'opérade dont les algèbres sont nos modèles pour les infinis N transformations. Une petite parenthèse, ce que je dis dans ma thèse de doctorat, et puis ce que je dis aussi dans mon article, c'est que quand on remplace la contractibilité au sens de Batanine par une autre, que j'appelle la contractibilité stricte, on retombe sur d'autres opérades qui vont être les opérades des transformations, des foncteurs stricts, des transformations naturelles strictes, etc. Voilà. Alors, l'une des conjectures les plus importantes, comme je disais tout à l'heure, c'est justement la catégorie des catégories, on sait qu'elle existe, enfin bon, voilà, modulo, problème d'univers, de taille, de ci, de ça, le problème de l'infini catégorie faible, des infinies catégories faibles, dans le monde globulaire, est un problème difficile. C'est un problème difficile. Alors, dans le monde simplicia, je crois que... Alors, Lurie, je crois, toi André, vous avez montré que toutes les infinies 1 catégories forment une infinie 2 catégories, c'est bien ça, Oui, indirectement. D'accord, mais ça ne donne pas une infinie 1 catégorie, surtout pas. Oui, ça donne une infinie 1 catégorie. Ça donne aussi une infinie 1 catégorie. Oui, mais ce qui se passe, c'est que... On associe une catégorie enrichie sur le complexe de CAM et ensuite on prend le maire cohérent de cette catégorie. Donc c'est un peu indirect. La construction est un peu indirecte. D'accord, ok. Alors, donc, la conjecture, c'est la suivante. C'est que si on prend l'objet coglobulaire que j'ai défini juste avant, on prend les B0 algèbres, les B1 algèbres, les BN algèbres, etc., toutes. La question, c'est est-ce qu'elle s'organise en une B0 algèbre ? On retombe sur le point. Ça, il faut voir ça. Le B0, il faut le voir comme un point. Parce que ces opérades se comportent comme des boules topologiques. C'est assez marrant. On peut s'amuser. Moi, je m'étais amusé au début, il y a quelques années, à fabriquer des cylindres, enfin, plein de trucs. C'est des opérades, mais quelque part, elles ont un pendant topologique. Voilà, c'est assez marrant. Donc, si on prend le point, l'intervalle, le disque, etc., à l'infini, ben on retombe sur le point. C'est ça un peu le truc. Alors, voilà. On peut reformuler cette conjecture comme ça, c'est que l'infini catégorie faible, des infinies catégories faibles existent, dans le contexte globulaire. Alors, bien, cette conjecture, c'est vrai, c'est un cauchemar. C'était un cauchemar, ça l'est devenu moins. J'ai remplacé donc dans ma thèse ce problème qui était cauchemardesque au début, y compris pour Michael Batanine et beaucoup de gens, par un problème très précis. Alors je vais parler de préliminaire avant de parler de comment on remplace cette conjecture. Donc si on note oméga 0, la monade des infinies catégories strictes sur globe. Alors, si on prend une catégorie qui admet des petits bouches à out, des petites sommes amalgamées, alors pour tout objet coglobulaire dedans, produit une opérade que Michael Batanine appelle opérade de co-endomorphisme. Donc, c'est une opérade sur oméga 0, sur la monade oméga 0. C'est-à-dire que c'est une opérade avec un morphisme cartésien vers la monade oméga 0. Oh, zut, j'ai fait une bêtise. Alors donc on rentre dans des nouvelles définitions dans le monde de ces opérades globulaires. Donc, un objet donc,
un objet donc coglobulaire d'opérade supérieure que je note W point, qui signifie comme tout à l'heure, c'est-à-dire quand je note W point delta kappa, ça veut dire que j'ai W0 qui s'inclut deux fois dans W1, qui s'inclut deux fois dans W2, etc., etc. Un peu comme on voit le point qui s'injecte dans l'intervalle, qui lui-même s'injecte dans le disque de deux manières, etc., etc. Eh bien, donc si je prends un tel objet coglobulaire, donc d'opérable globulaire, dans une catégorie qui a des petits push-out, alors je la qualifie d'algébrique, donc cet objet coglobulaire est algébrique, si la première opérade est une opérade au-dessus de la monade des infinies catégories strictes, et si en plus on a, il existe un morphisme d'opérade de cette première opérade vers l'opérade des co-endomorphismes. Voilà. Ça, c'est pour la définition de l'algébricité, donc des objets coglobulaires opéradiques. Alors ensuite, on dit qu'une opérade est fractale s'il existe un objet coglobulaire opéradique, qui vit dans une catégorie C d'opérade supérieure, avec somme amalgamée, telle que eh bien, la première opérade en question, W0, est égal à A. Alors j'ai donné des exemples d'opérades fractales. Par exemple, les quatre exemples que j'ai donnés dans un article qui a été publié, encore cette année. J'ai démontré que l'opérade des infinis graphes, c'est quelque chose de complètement évident, mais il fallait le montrer, c'est que l'opérade des ensembles globulaires est fractale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend tous les ensembles globulaires, ça forme un ensemble globulaire. Voilà. C'est archi évident, mais c'est comme si je soulevais une aiguille avec une grosse grue, mais en réalité, cette grosse grue va nous servir par la suite. Je démontre par exemple que l'opérade des ensembles globulaires réflexifs est fractale, l'opérade des magmas est fractale, des infinis magmas est fractale, l'opérade des infinis magmas est réflexif est encore fractale, etc. C'est-à-dire que si on prend tous les infinis, la catégorie des infinis magmas réflexifs, si on la prend, mais si on, au lieu de prendre, on garde que les objets, on retire tous les morphismes, on remplace tout par des morphismes d'infinis magmas réflexifs, des transformations, des infinies transformations, etc., etc., on monte en toutes dimensions, on retombe sur un infini magma réflexif. C'est assez curieux. Alors, juste pour naïvement, en dimension 1, la catégorie des graphes, est elle-même un graphe. Exactement. C'est une extension de ça. Exactement. Et en plus, c'est super, c'est tellement évident, j'ose même pas. J'ai presque honte d'en parler. La catégorie des graphes, on prend le foncteur oubli, on oublie la structure de catégorie et on retombe sur un graphe. Donc la catégorie des graphes est un graphe. Et la catégorie des deux catégories. Non, la catégorie des deux graphes serait un deux graphes aussi. Exactement. Et la même chose pour les magmas et tout, c'est ça? Exactement. On le démontre, c'est ce que je dis dans mon article. En basse dimension, on peut tout redémontrer avec les opérades. On a ce phénomène. Je ne le frappe pas. Mais... Par exemple, ça ne permet pas de démontrer, par exemple, que toutes les deux catégories strictes forment une trois catégories. C'est pas ça la philosophie du machin. C'est de dire que toutes les deux catégories forment une deux catégories. Ça, c'est un petit point important à noter. D'accord, pardon. Alors, maintenant, la conjecture, alors on a fait une simplification très forte de la conjecture en réduisant cette conjecture difficile en un problème technique très précis, c'est que l'opérade de Batanine est fractale pour l'objet coglobulaire que j'ai construit donc dans l'article qui a été publié. Donc, la question, ça va être... Alors, pour démontrer la fractalité, il y a une stratégie, c'est de démontrer que si je prends l'opérade de camp de morphisme associé à cet objet coglobulaire,
eh bien, si on arrive à démontrer qu'il est contractible et qu'il admet un système de composition, c'est gagné. Parce que ça veut dire que, comme l'opéra de Batani est initial dans ce type de catégorie, il y a un morphisme et ça montre la fractalité de B0. Zut. Donc, alors si l'opéra de Batani est fractal, regardez ce qui se passe. On a ce diagramme-là, en haut, qu'on arrive à construire. Alors, ce diagramme-là, il exprime une action de l'opéra de B0 sur ça. En fait, il faut regarder, c'est la première opéra qui est importante et la dernière. Cette opéra, l'opéra des endomorphismes, elle prend toutes les algèbres. Donc, vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai écrit B0, B1, B2, etc. Donc, j'arrive à fabriquer algèbre de B0, la catégorie des algèbres pour B0, la catégorie des algèbres pour B1, etc., etc. Et donc, il y a des sources et buts, des foncteurs sources, des foncteurs buts. Je prends la partie objet de ça. Ça donne un objet globulaire dans la catégorie des ensembles, les gros ensembles. Et puis ensuite, je prends l'opéra des endomorphismes. Eh bien, on a un morphisme de l'opéra de Batani vers cette fameuse opéra. Et ça exprime exactement que l'infinie catégorie, les infinies catégories faibles existent. Voilà. Alors, on va la noter comme ça, momentanément. Alors, maintenant, on va supposer que cette infinie catégorie faible, des infinies catégories faibles, existent dans le monde globulaire, pour aller un peu plus loin. Voilà. Bon, maintenant, on va parler des infinies topos de Grothendieck. En fait, l'idée... je commence par parler de ce qu'on appelle les infinies adjonctions faibles. Donc, dans la conclusion de ma thèse, comme je le disais tout à l'heure, j'explique c'est quoi une infinie adjonction faible. Je donne beaucoup de précisions. C'est un travail qui n'est pas publié. J'ai pas eu l'occasion de le faire pour plein de raisons. Donc, intuitivement, c'est une version supérieure et relâchée de la notion usuelle de paire de foncteurs adjoints. Donc plus précisément, il existe une opéra que j'appelle pH sur le produit cartésien de globe par globe. Dans ma thèse, dans ma conclusion, l'erreur que j'ai commise, c'est que je me suis trompé de malade. En fait, c'est pas la monade des oméga catégories strictes qu'il faut utiliser. C'est une autre monade. Il faut oublier cette paire de foncteurs adjoints. Par exemple, je vous donne un exemple très simple en basse dimension. On prend une paire de foncteurs adjoints, on l'oublie dans graphe. Au carré, et puis ce foncteur oublie un adjoint à gauche, parce que le truc qui est en haut est projectivement esquissable. Voilà. Donc, un infini foncteur faible peut avoir un adjoint à gauche, pas un adjoint à gauche au sens classique, un infini adjoint à gauche faible, ou à droite. Maintenant, ne me demandez pas quels sont les critères qui permettent de démontrer ce genre de résultat. On n'en est pas encore là. Alors là, je considère un exemple très important, c'est comme la catégorie des foncteurs. Là, je vais définir l'infinie catégorie faible des infinis foncteurs faibles. Donc ces zéro cellules sont les infinis foncteurs faibles entre deux infinies catégories faibles D et C. Donc les 1 cellules sont les infinies transformations naturelles, etc. Et puis on définit les n cellules de cette infinie catégorie faible par induction. Alors maintenant, on considère le delta suivant. Il est défini comme le delta usuel pour dire, par exemple, que un certain type de diagramme admet dans une catégorie, les limites sont possibles pour ce type de diagramme ou les colimites. Il me reste combien de temps? 2 minutes. Et à ce moment-là, on reconstruit le delta, mais en toute dimension. Alors, on suppose que delta est un infini foncteur faible. Alors, maintenant, si C a des petites infinies colimites, si pour toutes les catégories D en haut, eh bien delta a
un infini adjoint à droite et C à des petites est infini qu'au complet, petitement, s'il a un infini, s'il admet un infini adjoint à gauche faible. Voilà. Je vais très vite là. Alors, maintenant, alors je définis c'est quoi la notion de préservation d'infini limite faible et d'infini colimite faible par des infinis foncteurs faibles. Et je dis qu'en fait, le I là, donc cette préservation, c'est plus une égalité ni un isomorphisme, c'est une infinie équivalence faible. Voilà. Et c'est quoi une infinie équivalence faible? Eh bien, c'est comme une incellule d'un infini groupoïde faible. Voilà. Alors, maintenant, on considère les infinis préchamps, donc qui sont en fait, je prends une petite catégorie, et je prends la catégorie des infinis foncteurs faibles entre. Alors, on suppose que on suppose qu'il existe une sous-infinie catégorie faible de cette catégorie, de cette infinie catégorie faible de préchamps, qui est réflexive. Ça veut dire quoi? Eh bien, grâce à la notion d'adjonction que j'ai fini tout à l'heure, j'ai bientôt fini Stéphane, donc ça signifie que l'inclusion est un adjoint à droite au sens faible et en dimension supérieure. J'ai oublié infini ici. Voilà. Et on suppose que R préserve les infinies limites finies faibles. Maintenant, on passe à la définition. Alors, si on a ça, alors on peut dire que C est une infinie catégorie faible d'infini champ. Alors, une infinie catégorie faible, E, et, qui est faiblement infinie équivalente à une infinie catégorie faible d'infini champ faible, est appelée un infini topos de Grothendieck. Voilà. Donc en fait, j'ai utilisé la caractérisation des topos de Grothendieck, qu'on connaît très bien, la caractérisation purement catégorique qui dit que lorsqu'on a une catégorie de préfaisceaux, eh bien l'inclusion admet un adjoint à gauche et qui préserve les limites finies. Et ça, c'est en bijection avec les topologies de Grothendieck sur C. Et j'ai complètement oublié tout l'aspect topologie de Grothendieck, tout ça ici. J'ai directement utilisé cette caractérisation purement catégorique. Voilà, pour la généraliser. C'est la bonne définition. Merci, Pierre Cartier. Alors, donc, maintenant, on a défini des modèles d'infini à une catégorie, comme je l'ai dit dans un article. Maintenant, on passe à la dernière chose, et j'ai fini, proposition. Alors, si on prend une infini à une catégorie faible, donc globulaire, donc, qui existe et qui sont définis, dont des modèles ont été définis comme des algèbres pour une monade, qui sont faiblement infini équivalent à une infinie catégorie d'infini champ, qui, voilà. Alors, sont des exemples de ce que je peux appeler des infinis n topos de Grothendieck. C'est tout. J'ai tout simplement remplacé infini catégorie par infini n catégorie. C'est tout. Donc ça c'est peut-être moins subtil. Voilà, je vais terminer. Merci. Il y a des questions. Sans nécessairement rentrer dans le débat sur la bonne définition. Non. Bon, juste un détail de bibliographie. Qu'est-ce que c'est TAC? Qu'est-ce que c'est que de Zarstadt et tout quoi? TAC, c'est Theory and Application of Category. C'est un journal. Qui est lié à l'Australie, quoi. Non, c'est un très bon journal. Les Australiens publient beaucoup dedans. C'est quoi le journal Ah oui, c'est GASA. C'est un journal iranien, un jeune journal iranien sur la théorie des catégories et des structures. J'ai publié mon travail, l'un de mes travaux mon travail principal sur les opérations fractales dedans, parce que j'en ai eu marre des rejets qui ont duré des années, des référés. Et ces gens-là ont eu la grande gentillesse de reconnaître mon travail. Bon. Et tous leurs articles sont en ligne, donc y compris ceux de Kamel qu'on a. Trouve très facilement. Bon. Et l'Iran essaye de se réintégrer, ils ont raison. Et dans le cas des infinies catégories, c'est-à-dire
les infinis entrepôts. C'est-à-dire s'il y a une définition d'infinis entrepôts là. Oui, oui, bien sûr, avec ce que je veux dire. Qu'est-ce que ça donne pour René Galland? C'est tout simplement, si tu reprends la définition que je viens de donner, je ne donne pas une définition. Je dis que si on prend les infinis les modèles d'infini incatégorie en mon sens, celle que j'ai définie dans le journal TAC, eh bien, c'est un infini un topos s'il s'injecte dans une infinie catégorie faible de préchamp, d'accord, tel que l'adjoint à gauche, mais l'adjoint à gauche, c'est pas un adjoint à gauche, c'est un infini adjoint à gauche faible, préserve des infinis, limites finies faibles. Je voulais savoir si tu avais un exemple. Oh, hélas, pas avec encore. N égale 1 ou N égale 0 ou quelque chose. Ouais, est-ce que le cas N égale 0, c'est les topos de Gauss-Bundy ou bien c'est le cas N égale 1? Ah, tu veux dire en dimension 1? J'ai pas compris. Ben, je voudrais savoir si tu peux obtenir quelque chose qui serait équivalent au topos de Gauss-Bundy classique avec cette définition ou pas. J'en suis sûr et certain, tu trouves au niveau des dimensions. Il y a un calcul à faire, les cohérences s'écrasent et tout ça, et à la fin tu retombes. Cette définition est une extension naturelle des topos de Gauss-Bundy. Ah, si on considère la définition catégorique en vrai. D'accord. Alors, tu devrais avoir une notion de topos, de un topos, ou je ne sais pas. Il y a l'école australienne qui a utilisé la notion de cosmoid. C'est une notion de topos, mais qui est basée sur la catégorie des petites catégories plutôt que sur la catégorie des ensembles. Est-ce que tu saurais aussi obtenir ça dans ton système? Alors, c'est une très bonne question, André. C'est-à-dire que j'ai parlé à Ross sur justement ces cosmoid parce qu'il m'intéressait avant qu'il soit mon patron de thèse. Et en fait, Ross, quand il a voulu faire ça, il a voulu étendre ce qu'a fait Laouvir, mais non plus pour les ensembles, pour sept, pour les catégories. Donc quelque part, c'est plutôt les cosmos, il faut les voir comme une tentative de définition des deux topos élémentaires. Mais là, je ne parle pas de topos élémentaires. Pardon, bien sûr, c'est les deux topos de Gauss-Bundy. Voilà, ouais. Exactement. Ce serait bien si tu pouvais, comment dirais-je, illustrer ta définition générale en la coupant quelque part, là, et là, de développer un peu le modèle que ça donne. C'est-à-dire que tu pourrais ça va en basse dimension, ce que c'est que ça veut dire. Un deux topos de Gauss-Bundy, quoi. D'accord, ok. C'est juste une suggestion. Oui, bien sûr. Ça se... Si on a des exemples, on peut commencer à réfléchir. C'est plus facile, quoi. Bien sûr. Bien sûr. If someone have a question, you can email me. There is my email. Okay. So online, etc. And I am looking for a job, please.